tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème, 8ème épisode de notre aventure sur Under the Dome, la map. Et alors, j'ai peut-être une idée, parce que ça nous a dit qu'il faut aller à la fin de la... Ok, non, bah non, mon idée est foireuse. Mon idée est foutue, mon idée est morte. Comment lui parler? Parce que très clairement, là, on peut rien faire. Hein. Là, on tourne en rond. Ouais, clairement. Et alors, Scampi, Saint-Robert Street... Et vu que c'est là-bas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. Un tas d'idées à mettre au clair. Là, non, route 205, donc c'est pas par là. Non, non, bah c'est bien là-bas la machin et. Et est-ce qu'il faudrait pas aller en bas? Non. Non, non. Bon, on est bloqué. Ouais, Et ici. Personne. C'est bloqué. Je vais voir au fond. Haha. Est-ce qu'on pourrait pas briser ça avec ma pioche? Non. Ah oui, non, c'est le dôme, donc forcément. Je vais voir si on peut pas sur le côté. Ah mais non, c'est des... Très bien. Bon. Eh ben, on est dans la merde. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Je vais essayer un truc. On a les derniers espoirs là. Hein. Franchement, les amis. On va trouver. Ouais, oui, bah oui, bien sûr qu'on va trouver, mais enfin, j'espère. Mec, qui. Mais c'est bizarre qu'on puisse pas lui parler. Toi, est-ce que tu parles? Non, toi, tu parles pas. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas passer. Il y a bien un truc qui devrait... Attends, je... Non, attends. Je vais le répéter encore. Attends. Je crois que j'ai trouvé un truc. T'as trouvé quoi? Je crois, attends, je vais vérifier de moi-même. T'es où? Okay. Pousse-toi. T'as une pioche, on peut dans le genre? Ah oui. Attention. Look. Oh! Oh god. Wow! Oh putain. Ah, je lag. Ouais, bah oui, moi aussi je lag. Fallait s'y attendre, hein. Oui. Ah, et j'arrive à rien faire, sérieusement. T'es sérieux, ça, que t'arrives à rien faire, quand même? Non, mais je veux dire, je bouge, mais je sais même pas où je tape, là, tellement ça... Oui, mais non, mais ça sert à rien de... Tu tapes dans le vide, là. Oui, bah, j'avais remarqué, mais c'est parce que je lag, tu vois. Moi, je tape dans quelque chose, mais par contre, ça tape pas. Voilà. Okay. Ah, mais non, il y en a encore un, là. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé, je te la meilleure. Effectivement. Bravo, Evie. Tu es... Merci. Ah, on peut plus passer partir d'ici. Peut-être parler au shérif du coup. Tu crois? Mais j'ai pas réussi à lui parler. Ou alors faut retourner à la prison. Tu crois? Bon, on va voir. Je retourne à la prison.
Vas-y, je reste là, moi. Non, il a dit quelque chose. Essaye de traduire. Il a dit quelque chose ? Bah oui, il a dit des trucs. Ok. D'accord. Oh là là, heureusement que t'es là. Hein, parce... Je sais, je sais. Il n'y a pas de quoi. Ah, déjà, il est plus au poste de police. Et... Oui. Et le zombie... Il fait du... Non, plus. Non, si, le zombie fait du pole dance sur les chiottes. Le zombie se pète un petit trip. Il se gratte la nouille sur les chiottes. Mais dessus, hein, pas assis sur la cuvette et tout, non, sur les chiottes. Carrément. Carrément. Ah ouais, 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 carrément. Ah oui. Ah ouais, c'est... Alors... Okay, alors, on va voir ce qu'il a dit. Mon Dieu, tuez-les. Oh mon Dieu. Puis obtenir du bois de la forêt par le bar laitier. Ah mais j'ai une hache. Dans... Pourquoi ils me disent d'aller... Attends, j'ai pas très bien compris. T'as compris ? Obtenir du bois de la forêt. Ouais. Par le bar laitier. C'est quoi ça, un bar laitier ? Ce serait pas le café ? Du dairy bar. Ouais, je sais pas. Du dairy bar. Au patch. C'est ensemble en place. Ah non. C'est qui toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis en train de réfléchir. D'accord. Je suis en train de réfléchir ce que ça veut dire en fait. Bah écoute, je vais voir. Attends, qu'est-ce qu'elle peut casser? Peut détruire bois, oui, bah non, en fait, c'est bon. Bah, je vais il faut du bois d'après le truc. Ouais, bah je vais casser du bois et puis ce sera bon. Mais de la forêt, par contre. Oui, mais ce sera bon. Hop. D'accord. C'est moi, il y avait des zombies. Non, il n'y a pas de zombies ici. C'est moi qui vois des zombies partout. Il en faut 6, je crois. 5. Et 6. Bon, j'en ai 7, c'est pas grave. Merde. C'est pas grave. Voilà. Alors on dira pas qu'on est allé chez le monsieur pour lui vider son stock de d'arbres. Hein. Donc, on ne dira rien. N'empêche, je me demande si dans Under the Dome ça va prendre une tournure pareille. Genre il y a des zombies qui vont débarquer. Ah, pourquoi pas, ce serait bien. Ah oh ah mais non, c'est bon. I have reports calling that zombies have been coming out of house number 2 on St. Robert Street. Alors, perfect, bravo, nanana, nanana. On m'a dit qu'il y avait des zombies dans la housse 2 à son, à, je sais où c'est. C'est là où on entendait les zombies. Attends, je suis coincé. C'est bon, bravo. C'est bon, tu suis ? Oui, je suis là. C'est là où on avait où il y avait les zombies, tu te souviens? Où on entendait oui, les... On entendait et on savait pas d'où ça venait. Exactement. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une maison à vendre, mais... Ouais, mais je pensais que vu qu'il faisait sombre, c'était là-dedans, mais non. Non, non, c'est ici, c'est dans cette maison. House 2. Mais... Où? Non. Ah, c'est bon, j'ai. Tu es où ? Dans la maison. Comment t'as fait ? Ici, t'es où ? Je vais parler là, là, derrière toi. Où tu es ? Derrière toi. Plus. C'est où derrière moi? Bah derrière toi. Là. Ah là. Je te vois. C'est difficile.
J'étais déjà rentré moi ici. Bah oui, mais à l'époque ici c'était bloqué. Ah là. Oh. Oh, hop. Oh putain. Quick, I need help. There has been a zombie apocalypse and that is why the dome is around us. The government ouais, is je sais. To protect me as I have almost found the cure. But je sais pas. The test subjects have escaped and infected me. I do not have much time. Les armures là. Ouais, mais est-ce que tu peux faire la traduction s'il te plaît? Ouais, surveille-le l'autre là. Ouais, t'inquiète, je lâche pas du regard. Alors. Oh là là, on va se servir de... Non, c'est bon, en fait, on peut... Enfin, on est protégé. C'est sûr, hein? Ouais, ouais, t'inquiète. D'accord, hop, tiens, tu vas prendre ça, ça... Et... Alors, est-ce que... Non, t'as pas... Il est où? Bon, on va dire que c'est toi qui l'as récupéré... Hop. Donc je l'ai entendu. Ah mais non. Apnée. Oui, apnée en fait, on s'en fout. Alors, c'en est où? Attends. Ok. Excuse-moi. Excusez. Oula. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, j'attends. Hello. Oui. Je t'ai demandé ce que tu faisais. Je t'ai dit que j'attendais. Ah, d'accord. Bah, j'ai bugué, alors. J'ai pas entendu. Voilà. Ok. Alors... Message du président. C'est un ordre, ordre du président. Il y a eu une apocalypse zombie et voilà pourquoi le dôme est autour de nous. Le gouvernement a essayé de me protéger car j'ai presque trouvé le remède, mais quelques-uns de mes sujets de test se sont échappés et m'ont infecté. Tu lis le quoi? Alors. Mais je suis beaucoup de temps, je crois. Lis le livre trouvé dans Final Items, dans le coffre. Pourquoi il est marqué? Non, mais attends. Et trois articles à trouver le remède. Trois articles pour le remède. D'accord. J'aurais alors, tuer, ou pas une éponge. Putain, on l'avait. Comlin, Fumbuton, Dayton. Donc on l'avait. Donc la Blaze Rod, je l'avais. Et la case. Sur les boutons là. Attends. Ah, il faudra placer les trois items ici. Alors, j'avais la Blaze Rod et Alors slash game mode 1, voilà. Alors, j'avais la Blaze Rod et la c'est quoi la, le premier truc? L'éponge, tiens, je tiens à le dire, hein. Si vous me croyez pas, vous allez voir les épisodes précédents, hein. Voilà, hein. Non, mais on sait jamais. Ça devait être une éponge mouillée, par contre. Hop, voilà. Slash game mode 2. Et donc, il nous reste l'acacia wood. There is online 1-3 food in Celestar's meal. Being the dairy bar. Il faut qu'on trouve le dairy bar. Tu t'es équipé? Très bien. Oui. T'aurais pas un torse pour moi? Si. T'as pas de... Ah si, t'as plusieurs torses. Hop. Donc il faut qu'on trouve le dairy bar. Et on sera bon. D'accord. Alors, le dairy bar. Et déjà, est-ce qu'il indique où elle se trouve? Donc ça, oui. Donc par contre, on a bien la réponse. On n'avait pas du tout bon au niveau de la quête de Angie. Hein. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc on s'excuse.
On s'excuse, voilà, voilà. Mais ce qui est fait est fait. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, Lungi Bar, par contre. Lungi Bar, c'est pas là où il y a NJ? Bah, si, je pense. Bah, ouais. C'est le Dairy Bar qu'on cherche. Pas ah, oui, NG. C'est pas Lungi Bar, c'est Dairy Bar. Je cherche, moi, en attendant de mon côté. Ouais, ouais, c'est un Acacia Wood. Mais il y en a plein des Acacia Wood ici. Enfin, je veux dire, un Acacia Wood, il y a qu'à le casser. Ah, ok. Il boit. D'accord, non, en fait, il veut pas. Le Dairy Bar, le Dairy Bar, le Dairy Bar. Est-ce qu'il est, il serait pas annoncé sur le panneau, là où tu m'avais dit, avec les trucs non, bleus? Non, je suis en train d'en regarder, mais non. Non, il est pas... Le café, le pawn shop, bank farm, lac, water, non, non, non. Ah, on a tout compris. Non, j'ai pas trouvé, non. Y a rien. Je pense que c'est un endroit qu'il faut que tu te... Enfin, qu'on se démerde à trouver, en fait. Ouais. Mais, There is online, nanana, Chester Smith... Ilocat in the wood, be in the berry bar. Berry bar. Ah, est-ce que la hache en pierre peut détruire bois? Peut détruire bois. Je... bah non, si elle peut pas détruire, l'autre détruira pas. The Dairy Bar, The Dairy Bar. T'as pas d'une idée où. Tu as pas une idée où ça pourrait être? Non. Aucune idée. Non. J'allais dire là où on a cassé les... le dôme, mais non. C'est possible. Je suis en game mode 2. Oui, oui, c'est bon. Donc, ça, on peut casser. Alors, si on peut casser ça, déjà ça pue. Mais si on peut casser ça. Peut-être que c'est utile. Non ? Non. Non, ok, c'était pas utile de casser ça. C'est pas grave. Oula, par contre, on est à combien ? Non, on est à 18 minutes. Tout va bien, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Ouais, ouais, tout va bien. Tout va bien. Je vais casser ici pour voir. Tac tac tac. La chiotte, la douche, la salle de bain. Un lit, télé. Ah, casser. C'est pas. Non, c'est pas... Je réfléchis. Hein. Je suis en train de... Ouais, non, mais t'inquiète. Je... Ok, il n'y a rien. Bah... Je pense que là, il n'y avait rien non plus. Le Dairy Bar... Dairy Bar... Putain, déjà, de base, ça me dit rien. Mmh, ouais, bah moi pareil. Pata pata pa pa pam pana. Tiens, je suis peut-être passé à côté d'un truc. Je te laisse le lire. C'est quoi que... T'avais pas reçu un truc ou je sais pas quoi? Mais si, le livre, il est devant toi. D'accord. Ouais, non, mais attends, je suis en train de le lire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une éponge? C'est quoi une blaze rod? Mais une blaze... Non, mais j'ai tout sauf l'acacia machin. Ça se trouve au Dairy Bar. Ouais, ouais, ouais.
je vais réfléchir. 2 minutes. J'ai mon cerveau qui est en train de réfléchir là. Alors, le café, c'est pas. Si c'est où? Non, c'est pas là. Donc là, c'est la banque. Là, c'est le magasin d'Angie. C'est quoi? La question, est-ce que ça pourrait se trouver ça? Angie Pawn Shop. C'est compliqué, hein. Angie Pawn Shop, donc c'est pas ça. Donc là, c'est la banque. Bingo, banque. Là, c'est la post office. Voilà, la poste. Ici, c'est le café de Sarah, June, de Jen. C'est fait exprès, hein. Mais c'est stressant. Je vais te claquer. Non, t'as pas le droit de me faire mal. Donc là, c'est Sarah. Mmh. Donc ça doit être le restaurant. Là, c'est la station essence. C'est le poste de police. Ça, c'est chez Chunk. C'est ça? Church. Ouais, c'est l'église. Les pauvres abonnés là, devraient avoir marre d'attendre. Bon, tu sais quoi? Je pense que pour le bien de la série, on va se permettre de se la give. Bah de s'arrêter là, non? Ouais, déjà on va s'arrêter là et puis on va se la give. Voilà. Donc on vous dit, enfin on espère, voilà, on vous dit aussi, hein, on vous dit qu'on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On vous dit à la prochaine. Et sur ce, le mot de la fin, Evie. J'en ai marre des acacias. Allez. Bye bye tout le monde. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur la série Under the Dome, la map voilà. Merci. La map Minecraft en compagnie donc de toujours de la belle, la gentille et la ta gueule Evie. Bonjour. Bonjour. Comme je vous l'ai dit, on s'est give les 3 trucs. Parce que voilà. Et oh. It worked. We have to get this throughout the world. Ah ben. Okay. Non. Mais le plagiat. Le plagiat. Alors, congrats, you have nana. Created by Divi Design Techno. Bon. Et bah. C'est l'épisode, on l'a fini. Non, mais du coup, on n'aura pas. Enfin, on aura coupé, mais. En fait, je laisserai l'épisode. Voilà, comme il est. Voilà. Du coup, on est où? On est dehors, non? Ouais, mais mettons le game mode et. Oui, bah voilà. Je suis là. On va se permettre de regarder un petit peu comment c'est fait. De quoi c'est vide? Ah non, c'est pas vide, non. Moi je vois. Oh, il drache. Attends, je vais faire slash. Arrête l'orage. Wither clear. Voilà. Merci. C'est qui ça? C'est un monsieur ou c'est toi? De où? Qu'il se passe là? T'es où? Slash. Attends, j'arrive. Slash TP. Non, mais moi je suis dans le ciel. Ah, mince, j'arrive pas à descendre. Attends, j'arrive. Calme. Ok, non, mais j'arrive plus à descendre. Ah, voilà. C'est bon. Et il est où le monsieur que tu disais? Ah non, c'était tant que la map elle se forme en fait, j'ai rien dit. Mais ma map elle se formait pas. Donc, du coup, il y avait un monsieur qui flottait dans les airs. Et en fait, c'était le mec dans.
D'accord. Dans la voiture. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, on est dehors du dôme, hein, c'est fini. Voilà. Alors, on espère quand même que cette map vous aura plu. Nous, elle nous aura très très plu, même si je dois avouer que très très compliqué. J'aimerais quand même savoir où était la vieille église. Enfin, non, je pense que l'église, bah, on était dedans. Seulement, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. On a vu, Je pense qu'il y avait un truc à faire avec les tombes. Ouais. Mais quoi, franchement. Attends. Ah putain, l'acacia, il était ici. Il était où ici? T'es où? Rentre dans le dôme. Oui, rentre dans le dôme. Comment on rentre dans le dôme? Bah tu fais un trou. Ah. Ah oui. Comment on rentre dans le dôme? Bah fais un trou. Ah bah ouais. Et tu viens au niveau du hamburger, enfin du resto. Alors va falloir attendre parce que je recommence à laguer, je sais pas dans quel côté je vais, donc. Là, ah merde, je me suis foiré. Stop. Voilà, tu me suis, voilà. Par là. Oui, je te suis. Par contre, très mignon la petite dédicace à Final Fantasy oui, à la fin. La mélodie là. Ouais, très mignon. Je te fais un passage plus grand ou tu penses pouvoir passer? Non, c'est bon, je passe. Ok. C'est bon? Allez, on continue. Oui. Non, mais vu que tu lagues, t'aurais pu avoir des difficultés à passer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop grosse pour passer les portes? Non. J'ai dit, si tu m'écoutais un peu, j'ai dit que vu que tu étais dans les difficultés. Vu que tu lagues, hein, voilà. Ah, j'étais coincé dans un arbre. Ok, je suis plus coincé dans un arbre. Là, il était là, l'arbre. La dernier truc qu'il nous fallait. Donc en fait, Barry Bar. Si quelqu'un peut nous donner la traduction du Barry Bar. Ouais, Berry Bar dans les commentaires. Berry Bar. Oui, j'ai dit. Non, t'as dit Berry Bar. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, si quelqu'un a la traduction, on vous sera reconnaissant. Effectivement. Hop. Alors. Ah, mais toi, t'as une hache, c'est pour ça que moi, j'ai pas pu faire de trou dans le dôme. Mais t'es en game mode, cocotte. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais moi, alors, je l'utilise pas. J'ai pas envie d'utiliser vraiment. T'es où? Viens, là, au-dessus de toi. Voilà, là, viens ici. Je suis sûr qu'ils étaient. Que l'un des trucs se trouvait. Attends, il y a un truc marqué. Ah non. Ça, pas là-dedans. D'accord. Pas là-dedans. Là-dedans. Ah ouais. Bon. Et bah, cette église restera un mystère, les amis. Franchement. Ouais, non, très très bizarre. Je ne comprends pas. Dans l'hôtel, dans l'hôtel. Mais non, c'est l'église, c'est pas l'hôtel. Non, mais l'hôtel là, l'hôtel de l'église. L'hôtel pour dormir. Ah, l'hôtel de l'église. Non, c'est pas. Ici. Ah, oh, ici, je vais détruire le spawner. Juste pour le plaisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé un tableau et il a disparu. Donc, il y a un truc derrière le tableau, peut-être? Non. C'est juste que vu que t'es en game mode. Ouais, mais j'ai pas pu récupérer le tableau, donc c'est dur. Bah, non, parce que t'es en game mode. Donc, tu quand tu casses un truc, il disparaît. Ah! D'accord. Tant pour moi. C'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Ça va. Bon. Bah du coup, j'espère que cette petite aventure vous aura plu.
J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je mettrai sûrement un épisode tous les deux jours, histoire que voilà. Keito, oui. J'ai trouvé, je crois. Ah, attends, j'arrive. T'es où? Tout en bas, dans la tombe. Dans la tombe? Là où il y a les mecs qui dorment. Enfin, qui sont morts. Ouais, j'arrive. Merde. J'arrive. Allez, appuyer sur un truc, je l'ai cassé. C'était quoi comme truc? Un levier, un bouton? Bah, remets-le. Oui, je suis en train. Ah non, c'est là. Hop. Ah, il y avait un. Eh, hey, t'as appuyé sur quoi? Hein? T'as appuyé sur quoi, tout? Ah là, d'accord. Mais comment? Mais putain, je suis en train de tout casser. Non, mais laisse tomber là. Wow. Oh, Keito, que tu es? J'ai sauté dans le trou, mais fais attention parce que. Bah, le bouton il marche pas, c'est bizarre. Ok, il y avait des lingots d'or et une jambière d'or. Mais tout en bas. Alors toi saute pas. Ah voilà. Quand je te dis tu sautes pas, normalement on écoute et on saute pas. Hein? Normalement. Bah c'était ça alors le trésor caché. Je pense. Bah voilà, j'ai trouvé encore une fois. Mais alors comment tu l'atteins? C'est une bonne question. T'as... En fait, j'ai juste cassé les tombes. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Hein. Nous, on a cassé les tombes, mais devait y avoir un moyen. C'est quoi ça au-dessus? Au-dessus de quoi? Ah, Keito, on est con. Ah non, tu es con. Non, mais toi aussi, tu l'as pas vu. Regarde les leviers. Oui, mais ils font rien, les leviers. Mais si, ils se lèvent. Mais ils font. T'es sérieux? Attends, parce qu'il y avait les. Il y avait. Enfin, on va mettre ça, mais. Mais regarde. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un code spécial à faire? Oh là 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 là. Par ordre de mort ou je sais pas quoi, peut-être par date. Oh là 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 là, mais ouais. Oh, mais on est trop cons. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai quand même trouvé, je suis contente. voilà. Bon, bah le plus grand mystère hein, aura été résolu. On est désolé si vous nous l'avez hurlé dans les commentaires, mais comme on vous l'a dit, tout a été tourné à la suite. Donc voilà. On espère que cet épisode de cette série vous aura plu. On en fera sûrement d'autres sur Minecraft, hein, Evie. Exactement. Voilà, mais on fera ça quand on aura un vrai Minecraft. Voilà, oula. Comme ça les gens ils pourront plus rien nous dire. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Divi. N'hésitez pas à dire que vous m'aimez. Que vous m'aimez moi aussi. Voilà, on vous dit au revoir. Bien sûr, au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir, et puis c'est Keito qui va donner le mot de la fin cette fois. Ok, alors moi je vais donner le mot de la fin. Et le mot de la fin sera... Fuck Église. Allez, bye bye tout le monde. Dis au revoir, Evie. Bye bye. Voilà, allez, bye bye.